J'invite à présent Bertrand Payès à me rejoindre. Bertrand Payès, vous êtes directeur des technologies et de l'information, je vous en prie ici. Directeur des technologies et de l'innovation, pardon, à la CNIL. Ingénieur des mines, vous êtes passé par l'ARCEP, des cabinets ministériels, dont la direction du cabinet d'Axel Lemaire, alors secrétaire d'État au numérique. Vous avez également été coordinateur national de la stratégie pour l'intelligence artificielle. Euh, on connaît tous le rôle de la CNIL euh, pour ce qui est de la protection des données et du respect de la vie privée. Et la CNIL va prochainement euh, éditer son guide d'auto-évaluation pour les systèmes euh, d'intelligence artificielle. Des consultations sont en cours dans ce cadre. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, s'il vous plaît, Bertrand alors, la CNIL, c'est une autorité qui régule les traitements de données personnelles. Un traitement de données personnelles, c'est un algorithme qui traite des données personnelles. L'intelligence artificielle, c'est une nouvelle génération d'algorithmes. Donc, pour... il y a une grande continuité avec notre activité depuis longtemps. À partir du moment, évidemment, on a des IA qui, qui traitent des données personnelles. Et ça nous a conduit à. À, à, à travailler sur le sujet, parfois euh, explicitement et parfois euh, comme Monsieur Jourdain, où on avait des systèmes d'IA sans forcément creuser la partie vraiment euh, compréhension statistique du, du système d'IA, mais euh, mais on, on, on édictait des règles pour autant. On a développé notre activité euh, depuis un peu plus de, depuis environ deux ans. Euh, avec différents aspects. Alors une première version, d un, d un, effectivement, un premier dossier qu'on avait sorti en avril 2022, où il y avait une première version d'un guide d'auto-évaluation effectivement. Et puis des sujets plus spécifiques. En fait, il y a beaucoup de sujets spécifiques, évidemment, en matière d'IA, mais notamment sur les caméras augmentées, qui est un sujet sur lequel on a, on a beaucoup travaillé. Et pour la journée d'aujourd'hui, qui est, je pense, intéressant parce que on a eu une sorte de pré-transposition dans la loi française de certaines dispositions du règlement IA dans le, la loi sur les JO qui a été adoptée en mai dernier. Et qui va entrer en application, enfin qui est déjà entré en application, mais où les prestataires vont être connus prochainement et les premiers déploiements vont être faits prochainement aussi. Et donc on aura pas mal de pas mal de travail tout au long jusqu'en mars 2025 qui est la période la période d'expérimentation. En 2023, on a créé un service euh, en essayant de, de renforcer encore. Euh, euh, notre, notre équipe IA et, et, et de renforcer les questions. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont vraiment beaucoup de questions sur justement l'entraînement d'IA pour euh, avec des données personnelles, qu'est-ce que je dois faire, comment je respecte le RGPD. Donc à la fois sur le service public, euh, sur, euh, sur le, les caméras, comme je l'ai dit, euh, et puis on a aussi un accompagnement renforcé avec une entreprise qui s'appelle Hugging Face, que vous connaissez tous. Connaissez tous. Et euh, il y a deux mois, on a sorti euh, un premier lot de, de, de fiches IA euh, sur lesquelles je vais, je vais, je vais re, euh, repasser un peu de temps. Euh, et on en aura d'autres. Je vais, je vais donner une vision un peu de, de tous les travaux qu'on qu essaye de faire. Euh, pour commencer, peut-être euh, essayer de répondre. Alors, ce n'est pas un tableau très lisible, je suis désolé. Je, je, la, 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 ma prochaine présentation, il sera plus beau. Euh, le, le, euh, donc, essayer de. de de voir aussi comment, comment, comment le règlement IA et le RGPD euh, se combinent. Alors c'est vraiment des pistes aujourd'hui et puis on attend l'adoption du, du règlement IA et on, on aura un travail au sein des CNIL européennes sur le, ce qu'on appelle l'interplay entre règlement IA et, et RGPD pour essayer vraiment de, 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 de comprendre comment les deux se, se combinent. Euh, donc en termes de terminologie, on a, on a des termes qui sont un peu différents. On parle de traitement de données personnelles de personnes concernées côté RGPD alors qu'on va parler de système d'IA, utilisateur, déployeur. De Côté règlement, euh, donc, donc il va falloir un peu expliquer évidemment à tout le monde dans quelle catégorie chacun tombe. On a un périmètre qui est évidemment beaucoup plus réduit sur le règlement IA, puisqu'il s'occupe des usages interdits et des usages à haut risque, et puis peut-être des modèles de fondation ou pas, selon les discussions. Euh, et euh, un régime de responsabilité qui est important. Je pense que. Euh, euh, dans, le, dans le RGPD, on, on, nous, on, on concerne des responsables de traitement. Donc, c'est les gens qui définissent la finalité, les moyens d'un traitement. Donc, je veux faire une sélection de CV. Et, donc je, et pour ça, j'utilise un ordinateur pour faire ça. Et puis, parfois, j'utilise une IA. Et donc, je vais être responsable de ce choix, de tous ces choix que je vais faire. Ce qui est en fait assez complémentaire de notre point de vue du, de l'approche du règlement IA qui, qui vise vraiment les fournisseurs, donc les gens qui vont fournir finalement la solution. Un des. Et pas leur usage. Donc, on voit, en tout cas, de notre point de vue, moi, je vois quand même un, un, un usage où le, le, à la fois les, les fournisseurs vont être euh, certifiés, auto-évalués, enfin, selon un système pour les usages à haut risque, et puis les utilisateurs pourront s'appuyer sur le règlement IA. Donc, les entreprises utilisatrices pourront s'appuyer sur le règlement IA en disant "Bah, ce, ce système-là, il a, il a respecté les règles du règlement IA, donc il a déjà un bon niveau de confiance, même si ça ne couvrira pas l'ensemble de la conformité RGPD." Et ça, ce sera un des points, un des points difficiles à, à, à comprendre. Euh, Peut-être, je vais aller un peu dans un autre, un autre aspect évidemment important, c'est la partie évaluation des risques où on aura aussi un travail euh, sans doute à, à mutualiser avec l'analyse d'impact sur la protection des données, qui est quelque chose qui est, qui est demandé alors par les par les utilisateurs, mais qui est souvent par les par les responsables de traitement, mais qui est souvent ou leurs sous-traitants. Euh, au sens RGPD, qui vont être peut-être des fournisseurs de systèmes d'IA au sens AI Act, euh, souvent les aident à faire cet AIPD parce qu'ils peuvent mettre en place des mesures de protection qui sont dans le système en fait, et qui ne dépendent pas de son déploiement. Et donc, euh, on aura évidemment le, le, la capacité à s'appuyer sur le marquage CE et l'évaluation du règlement IA ce sera, sera un aspect aussi, aussi important. Euh, voilà. Et Avec une mise en œuvre qui sera beaucoup plus alors qui est très concentrée au RGPD, même s'il y a une gouvernance européenne un peu compliquée, mais qui ce règlement IA sera beaucoup plus euh, réparti entre beaucoup d'autorités sectorielles, euh, peut-être la CNIL sur des usages comme le law enforcement par exemple, ou le DDD, ou une nouvelle autorité, et puis euh, des nouveaux acteurs dans, le, dans, la, dans la galaxie qui sont les organismes notifiés, qui est quelque chose de, de bien connu du marquage CEO. Euh, je vais essayer d'aller relativement vite sur les, sur les, sur les, les fiches IA. Euh, donc, donc ça, c'était la, la partie euh, compatibilité. Euh, évidemment, nos réflexions actuelles, elles, elles se portent sur le RGPD. Euh, et donc, on a fait des fiches IA qui ne sont pas sans lien avec toutes les discussions qu'on qu 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 a en cours sur le, sur le règlement IA. Euh, notre objectif a été de faire huit premières fiches pratiques. Euh, alors, c'est toujours difficile, c'est un exercice difficile parce qu'on essaye de faire des fiches générales, alors qu'évidemment, l'application des règles est vraiment casuistique, est vraiment, ça dépend des cas. Donc, on a essayé de donner aussi un maximum d'exemples pour que, permettre à chacun de s'y retrouver. Euh, notre vision, en tout cas, de la régulation de, des systèmes d'IA, elle, elle se fait à plusieurs niveaux, j'y reviendrai. Euh, on se concentre aujourd'hui sur les phases de développement. Euh, donc on distingue, on l'a fait dans plusieurs délibérations, mais on distingue la phase de développement et la phase de déploiement. Beaucoup d'entreprises sont concernées par le déploiement, je veux utiliser ChatGPT, qu'est-ce que je dois faire Mais on a pensé que c'était quand même plus intéressant, y compris pour les acteurs innovants qui développent des IA, de pouvoir leur donner des, des, des conseils sur le, vraiment le début, c'est-à-dire la conception, la constitution de la base de données d'apprentissage et puis les phases d'apprentissage. Donc pour encore plus détailler ça, donc dans la conception, on a les choix d'architecture, les, les pilotes, tout ce qui va permettre d'estimer la base de données, la collecte, tous les pré-traitements, et puis ensuite la partie entraînement, validation, test dans, dans l'apprentissage. Normalement, les praticiens de l'IA retrouvent leur petit avec ce, avec ce slide. Je vais prendre quelques exemples de, de, répons, de questions auxquelles on a voulu répondre. Euh, notamment, on a essayé avec ce premier lot de fiches d'essayer de répondre à des, à, en gros à la, à la remarque que le RGPD empêche de faire de l'IA. Donc, la première, euh, le premier point, c'était comment s'applique le principe de finalité. Donc, au RGPD, vous devez faire un traitement de données pour une finalité déterminée. Et puis, on nous dit bah, un general purpose AI, c'est justement quelque chose qui a une finalité très générale. Et donc, ça ne correspond pas au principe de détermi, finalité déterminée du RGPD. Euh, on a essayé de, de, de montrer que c'était quand même possible. Ces principes-là étaient des principes qui s'appliquaient de manière plastique. Donc là, en distinguant plusieurs cas, notamment le cas où l'usage opérationnel du système d'IA est précisément identifié en phase de développement, Donc vous voulez faire une IA, vous construisez des avions, vous voulez faire une IA qui sert à prédire les pannes sur les moteurs d'avion. En fait, votre phase de la finalité de votre phase de développement, c'est la même que votre phase de déploiement c'est relativement facile dans ce cas-là. Euh, dans d'autres cas, qui sont évidemment le cas des systèmes d'IA à usage général, euh, c'est plus compliqué parce qu'on veut faire un modèle de langage, euh, donc une voilà, qui va servir pour tout un paquet de finalités. On a essayé, là, le, le point principal qu'on essaye de dire, je ne rentre pas dans les détails des, des slides, mais c'est ce qu'il y a dans les fiches aussi c'est de dire, euh, vous ne pouvez pas avoir une IA qui ait, qui ait sa propre finalité. Je veux faire une IA parce que ça m'amuse de faire une IA. Euh, donc vous pouvez, euh, vous devez, euh, voilà, euh, donner euh, des éléments sur le type de système et les fonctionnalités, capacités techniquement envisageables. Donc vous devez en dire un peu. Il y avait des exemples sur le site, sur les, sur les modèles de langage justement de, 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 de dire à, finalement quels sont le, à quoi ces systèmes pourront servir, in fine. Et ça reviendra à des, des aspects qu'on aura dans la régulation de l'IA dans les prochaines années, qui sont aussi de euh, des conditions d'utilisation. Quand on développe un système d'IA, on, on, on va devoir donner des conditions d'utilisation, en disant ce système-là, il est ok pour tel type d'usage, il n'est pas ok pour tel autre type d'usage, et, et ça reviendra évidemment au, au, à chacun de le faire. Et puis il y a le cas particulier de la recherche. Je suis désolé, je slide. Euh, le cas de la recherche. Dans le RGPD, il y a des dispositions de, de, qui permettent de faire beaucoup de choses au titre de la recherche scientifique publique et privée, y compris le déploiement expérimental. Donc on essaye de on a peut-être mis un peu de temps, cinq ans après le RGPD, à vraiment embrasser cette, cette intention du législateur, mais on essaye de le, de le mettre en place à l'occasion, enfin en général et à l'occasion de ces fiches, de dire, voilà, quand c'est pour faire de la recherche, euh, globalement, c'est le principe de finalité s'entend de manière vraiment très large pour le coup, parce qu'évidemment, la recherche, on ne sait pas toujours ce qu'on cherche. Euh, et, et du coup, euh, euh, on, on, on permet des, des éléments, et j'y reviendrai également sur les... Sur les sur les bases légales, ce sera aussi un aspect, un aspect important. Euh, je vais essayer de. de euh, le, le, donc là, c'était le point que, dont je venais de, de, de parler. Donc, on a la, la recherche scientifique, par exemple, dans la recherche scientifique au RGPD. Quand vous, quand vous réutilisez des données qui ont été collectées pour une finalité déterminée, que vous devez les réutiliser pour une autre finalité, vous devez faire un test de compatibilité. Vous devez vérifier si la collecte initiale est compatible avec la collecte. Nouvelle. Si vous récupérez des données pour faire du, du commerce, vendre des trucs en ligne, vous ne pouvez a priori pas les réutiliser pour euh, faire des, euh, du, 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 du contrôle fiscal. Quoi. Pour faire simple, voilà, ce n'est pas, pas, pas des, 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 une finalité compatible. En tout cas, et, ça, et notamment un des aspects qui, qui, qui permet d'évaluer cette compatibilité, c'est les attentes raisonnables de la personne. Est-ce que les données, quand elle vous a donné les données, à la personne, est-ce qu'elle pouvait attendre raisonnablement qu'elles soient utilisées pour cette nouvelle finalité la recherche dans le RGPD a une présomption de compatibilité. Donc, on, on part du principe que faire de la recherche, c'est toujours compatible avec n'importe quelle finalité d'origine. Et donc, ça, c'est évidemment une, une libéralité très importante. Et c'est un des aspects sur lesquels on, on, qu on rappelle et qui nous semble important et qui est particulièrement important pour des modèles d'IA qui vont beaucoup s'appuyer sur des données euh, qui ont été collectées pour d'autres raisons. Euh, voilà. Après, la grande difficulté à laquelle on va se confronter et auquel on ne répond pas encore, c'est comment on on passe de la recherche au produit commercial. Et est-ce que, au moment où je passe au produit commercial, est-ce que je dois tout réinformer les personnes, recollecter enfin, Je me retrouve dans un cadre qui est évidemment plus, plus contraignant peut-être que celui de la, de la recherche. Mais donc, on, on trouvait important, y compris pour des startups, de, de, de mettre en avant le fait que la recherche est quand même facilitée, y compris notamment dans le système d'IA. Et euh, ça me donne la transition avec ce, ce point-là, notamment sur la réutilisation des données. Euh, des données en ligne, où on a essayé de trouver une ligne. La ligne, c'était il y a des personnes qui nous disaient c'est du recel. Si les données sont illégalement, c'est du recel, c'est illégal, c'est du pénal. Et puis il y a des gens qui disaient mais non, mais vous voyez, tout le monde fait tout. Donc on a des entreprises américaines, notamment comme Clearview AI, qui ont été multiplement condamnées en Europe, qui disent c'est premier amendement de la Constitution des États-Unis, j'ai le droit d'utiliser n'importe quelle information en ligne, peut-être aux États-Unis, pas en Europe. Euh, et donc on a essayé de trouver une, une voie intermédiaire autour de la notion d'illicité manifeste et évidente. Donc si vous voulez entraîner une IA de classification d'images à partir des films de la Marvel, normalement vous savez que vous êtes en train de faire quelque chose d'illicite, c'est manifestement illicite de le faire. Euh, le, si vous réutilisez des données, ce qu'on appelle sensibles au sens du RGPD, donc des données de santé, vous êtes pas, il n'est pas clair que les, que les gens avaient donné leur consentement explicite pour euh, ces données et leur réutilisation. C'est a priori aussi une illicité manifeste. Alors évidemment, depuis qu'on a dit ça, on a deux entreprises qui disent ⁇ Mais attendez, moi j'ai un cas particulier, je ne sais pas si c'est vraiment manifestement illicite bon, ⁇ voilà. Mais on essaye d'apporter des premiers niveaux de réponse et puis évidemment, on aura des, des choses encore plus fines après. Euh, et puis peut-être le dernier exemple que, que je pouvais prendre, c'est le principe de minimisation. Euh, et là-dessus... Euh, donc aussi, c'est une remarque qu'on faisait, le principe de minimisation du RGPD empêche de constituer des grandes bases de données pour faire des IA performantes. On essaye d'avoir une interprétation qu'on propose, qui est en consultation, il y a peut-être des gens qui vont hurler, hein, mais qui est de dire que ce n'est pas un principe absolu la minimisation, ça n'empêche pas de faire des très grandes bases de données. Par contre, on essaye de, de recommander aussi des, ce qu'on pense être des bonnes pratiques professionnelles, c'est-à-dire vraiment de sélection, y compris pour des très grands modèles de, de langage. Il y, y a des opérations de dédoublonnage, il y a des opérations de, de, de qualification des données euh, qui, qui, qui vont finalement s'apparenter à ce principe de minimisation et en tout cas être capable pour le fournisseur de système d'IA de euh, justifier pourquoi il a utilisé euh, ces grandes bases de données. Évidemment, c'est typiquement une des questions sur lesquelles le règlement IA va venir apporter des nouvelles règles avec l'annexe 4, les obligations de documentation et qui viendront contribuer sans doute au respect de ce principe de minimisation également. Mais donc, notre, notre proposition à ce stade est quand même plutôt de, de dire qu'on il faut, il faut, ne peut pas juste utiliser, a priori, sauf cas vraiment exceptionnel, on ne peut pas juste utiliser des données en masse, on ne sait pas d'où elles viennent pour faire tourner des IA. Il faut quand même faire un, un travail, mais que ce travail peut maintenir des. Des bases de données très grandes. Euh, je vais passer sur la, la durée de conservation, mais on avait le même type de, de questions. Euh, et puis, euh, évidemment, on, on, on essaye de, 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 de répondre à d'autres questions sur les AIPD, notamment sur des critères de l'AIPD qui sont qu'est-ce qu'un usage innovant, qu'est-ce qu'un usage à, à grande échelle. Je, je vais aussi passer rapidement là-dessus. Alors là, je vais vous présenter un slide. Alors, je sens qu'il y a plein de gens qui vont le prendre en photo parce que je crois que je l'ai jamais présenté. Euh, du coup, euh, mais c'est pas contractuel là, working progress. Donc, ne, ne partez pas de l'idée que c'est exactement ça qu'on va faire. Donc, là, on a fait des premières questions et je suis désolé pour les, les mises en forme qui sont ratées, mais euh, donc ça, c'est ce qu'on a déjà fait. Les premières fiches sur lesquelles on va avoir des retours et puis sur lesquelles on va essayer de, on va essayer de, bah, de, du coup, de les publier sans doute au cours du premier trimestre 2024. On va avoir un deuxième jeu de fiches qui va attaquer d'autres questions qui sont plus, plus difficiles, notamment les questions d'information et de droit des personnes qui sont évidemment difficiles. Euh, les questions de, de, de l'intérêt légitime, qui est une des bases légales en fait, pour entraîner ce système d'IA. Ouais, enfin, vous, vous allez faire les photos. Je, je, et, et après, on a un troisième volet qui est encore plus difficile. Alors là, vraiment, j'ai des smartphones partout. Euh, qui est la partie euh, gestion des biais et discrimination. Le cas des IA génératives, les cas des bacs à sable. Euh, et puis, toute cette question des utilisations. Alors, l'utilisation, pourquoi on le met en dernier euh, C'est évidemment la première question que les gens veulent nous poser. C'est parce qu'en fait, euh, en fait, on ne va pas avoir grand-chose à dire en général. On va dire bah, « faites attention aux données que vous utilisez, aux systèmes que vous utilisez, ça dépend des cas, ça dépend des cas ». Globalement, on va dire « ça dépend des cas euh, ». Donc, donc, euh, donc on, on, bon, on, va, on va quand même le dire, mais ça va être un peu euh, respecter le RGPD, euh, s'il vous plaît. Et on, on, on l'aura euh, plutôt, euh, plutôt euh, par le, soit par le biais de demandes de, demande de conseils qui est une possibilité qui est offerte, soit par le biais de, de procédures de, de sanctions. Donc c'est non contractuel ce que ce qui est là. Euh, je vous invite donc c'est plus des idées et c'est pour illustrer aussi la, la quantité de travail que ça représente en fait de, de là c'est juste la conformité au RGPD et c'est sans le règlement IA. Et l'un de, des aspects qui m'intéresse dans le règlement IA c'est que ça va nous permettre de, de précabler certaines réponses notamment cette annexe 4 qui va parce que nous aujourd'hui à partir du RGPD on est obligé de reconstruire à partir des grands principes du RGPD des principes de transparence en disant bon, ok la transparence dans le RGPD ça existe mais du coup sur les streams IA il faut comprendre est-ce qu'on fait des règles générales est-ce qu'on fait des règles particulières évidemment le règlement IA pour les usages à haut risque ça va beaucoup nous cadrer en disant bon, ok vous, en fait la documentation c'est ça qu'on vous demande et, et euh, ça nous permet et ça permettra de sans doute simplifier peut-être pour les entreprises concernées euh, peut-être pour finir sur, le, sur les IA génératives euh, euh, et, et du coup, euh, voilà, j'essaie de couvrir diff différents aspects aujourd'hui, mais ce IA générative, on, on a, nous on distingue trois grandes, ça rejoint ce que je viens de présenter, mais tro trois, grandes, trois grands aspects avec, avec euh, différentes questions. Euh, euh, un aspect donc, qui est la partie collecte de données en source ouverte, j'en ai déjà un peu parlé, donc on a aussi publié un guide sur l'ouverture et la réutilisation des données, pas spécialement pour l'IA cet été, mais... Euh, qui donne des éléments de réponse. On a beaucoup de, de questions. On a eu des plaintes, évidemment, sur, sur les, les IA génératives euh, assez tardivement, enfin, après les actions de notre homologue italienne, mais, mais on en a eu. Et puis, on a une question générale euh, qui ne s'applique pas qu'aux qu IA euh, sur le, le scrapping. Euh, on a une phase d'enrichissement et de synthèse des, des, des données d'entraînement, où là, on aura des questions, vous l'avez vu dans le slide précédent, autour de du statut des modèles, de, donc on voit maintenant beaucoup de beaucoup d'attaques aussi, d'inférences d'appartenance sur les modèles pour essayer de savoir qui était dans la base d'entraînement, est-ce que le modèle lui-même est capable de sortir des données personnelles C'est évidemment des questions, des questions difficiles. Et puis on aura euh, la, la partie, tout, toute la partie qui est intéressante, qui sera la partie euh, réutilisation et finalement quelles sont les, les sécurités que peuvent mettre en place à la fois les fournisseurs de modèles et les, les, les utilisateurs. Euh, par exemple, euh, en, euh, typiquement dans une entreprise, je pense qu'on on va arriver dans des systèmes sur les IA génératives ou pour éviter euh, de se retrouver dans le, sous l'empire du RGPD, euh, il a sans doute de bon, de bon ton de ne pas interroger les IA génératives sur des personnes, euh, de ne pas intégrer, de rentrer, et sortir des, des données sur les personnes. Il peut y avoir des systèmes de filtres qui peuvent être mis à la sortie, qui peuvent être mis par OpenAI à la sortie pour faire ça. Dans la version de juin de Bard, Google avait mis un filtre un peu, un peu, un peu bourrin qui était je ne, je ne réponds qu'aux questions des gens qui ont une entrée Wikipédia. Bon, ben, du coup au moins, mais du point de vue protection de la vie privée, c'était relativement euh, sécurisé, c'était pour une phase expérimentale, euh, voilà, donc ça n'était ça, ça, pas, pas une mauvaise mesure. Il pourrait y avoir aussi des filtres d'entrée, c'est-à-dire que les entreprises qui vont utiliser, qui vont fine-tuner, qui vont rajouter un système, qui pourront dire, ben, moi j'interdis un certain nombre de requêtes, toutes les requêtes qui ont des noms-prénoms, je les interdis, les requêtes qui vont mettre en place, qui vont... Fournir un. Voilà. Donc, ça, on imagine bien, tout ça n'a qu'un an, mais on imagine bien que dans les deux, trois prochaines années, il y aura une structuration aussi de la sécurité, de l'usage de ces, de ces IA et on, on pourra y participer éventuellement. Euh, euh, Peut-être pour finir, euh, la, la question des, des, sur la question des modèles de fondation et en lien avec ce qui a été dit dans la matinée euh, et les débats qu'il y, qu y aura cette semaine. Euh, nous, vraiment, voilà, on a plusieurs questions qui s'ouvrent par nous. Là, je le mets sous forme de questions parce qu'on n'a pas du tout les réponses, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on est qu distingue et à l'aune du, du slide précédent, est-ce que, est que finalement, dans le produit d'OpenAI, il y a un produit qui est le modèle de fondation, il y a un autre produit qui est le, qui est le, qui est le, qui est le chat, enfin, qui est le, qui est un autre produit qui est le, le système de chat et que les deux sont des, des traitements de données personnelles différents en fait et que du coup, ils doivent être soumis à des règles différentes, des informations différentes, des finalités différentes euh, et évidemment, le, la, la réutilisation du modèle euh, se posera pour, pour tous les, les réutilisateurs. Il y a la question de la finalité, j'en ai parlé. Et puis, peut-être aussi, euh, tout ça soulève. Euh, euh, je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait, euh, ce que je n'ai pas fait, mais j'ai vu une présentation de lui, de euh, la, question, la, 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 la le, leçon inaugurale de Benoît Sago sur, sur, euh, au Collège de France sur l'usage de, de l'informatique pour euh, le langage. Euh, qui, 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 voilà, je pense que tout ça soulève aussi des questions sur comment, peut-être que les, dans deux ans, on aura d'autres modèles. Ce ne sera pas l'AMA2, ce ne sera pas GPT-4. Et finalement, est-ce qu'il ne faut pas, est-ce que tout ça, tout cette, et cette régulation, et celle du RGPD, et les autres, et le copyright, ne sert pas aussi à voilà, peut-être améliorer l'espèce de, de grande opacité qu'on a sur un certain nombre de modèles, et d'avoir des modèles qui vont être plus transparents, qui est, que ce soit une exigence du règlement IA ou pas, euh, et qui nous permettent de, de mieux gérer les droits, donc des droits des personnes, ça c'est ce qui nous, nous intéresse, évidemment, des droits d'autres de, 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 acteurs. Pour finir, et ce sera mon, mon dernier slide, euh, ça va dans le sens, je pense, de la, la réflexion aujourd'hui, de dire est-ce que c'est trop tôt pour réguler Alors là, je, nous, on ne participe pas directement à cette négociation, mais je pense que c'est vrai que c'est difficile euh, de définir aujourd'hui des objets juridiques euh, dont on est sûr. Euh, voilà, le transformer, ça a ans, ça 6 ans. Euh, les IA génératifs, grand public, ça a un an. Euh, voilà, et donc là, je prends deux papiers. Là, j'ai pris dans ma, la dernière semaine, donc c'est depuis non, les dix derniers jours, deux papiers qui ont, de mon point de vue, euh, qui, qui ont changé encore notre manière d'aborder le sujet. Donc un sur les, les risques d'injection euh, euh, dans, dans les GPT customs, donc dans les dans les, les personnalisations de, de Chat GPT, et donc le fait que, que voilà, on, donc a, évidemment la, la, la recherche montre tous les risques que que, que ça peut apporter, notamment tout ce qui va permettre de récupérer des informations sur le modèle ou sur les gens qui sont dans le modèle, ce qui nous intéresse, ou sur les, 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 les œuvres. Et à droite, c'est sur un produit qui s'appelle YOLO. YOLO, c'est You Only Look Once, qui est une brique de base qui est utilisée pour l'analyse d'images. Et où donc, il y a eu un rapport qui est sorti il y a une semaine qui dit en gros, il y a, il y a je sais plus, une dizaine de failles de sécurité critiques à l'utilisation de ce modèle, mais critiques au sens, voilà, vous, vous, vous mettez vraiment en danger votre entreprise si vous utilisez ça. Alors que dans l'accompagnement JO qu'on a fait cette année sur les entreprises qui vont faire des caméras augmentées, quasiment tout le monde utilise YOLO. Donc le, c'est donc le, le, donc est, est pour vous donner. Et donc, du coup, la question qu'on va avoir, c'est là, on va être typiquement dans un usage à haut risque. Je fais de la caméra augmentée pour le law enforcement, pour la police. OK, est-ce que je dois... Euh, comment j'évalue ce risque-là, euh, sachant que ce papier-là, il a 10 jours, qu'il y en aura dans 6 mois, il y en aura plein d'autres, euh, que Yolo, c'est quelque chose d'open source. Donc, c est, c est, euh, ça, on ne peut pas attendre d'une communauté open source qu'elle gère euh, forcément tous les risques. Euh, elle est là pour a, euh, améliorer la, le fonctionnement du système, pas forcément pour euh, mettre, pour gérer la, la partie réglementation, régulation. Donc, donc tout ça va se, voilà, va, va s'agencer dans les prochaines semaines, que ce soit au titre de, de, du, règle, de, du RGPD ou euh, de, de nouveaux textes qui devraient arriver en début d'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup Bertrand. Euh, on a le temps peut-être pour une question au minimum, s'il y en a. Oui, nous avons une question par là-bas. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Euh, la CNIL se positionne comme autorité de régulation là dans le cadre de l'AIA Act. Est-ce que, est-ce que vous avez un peu plus d'informations Est-ce que c'est sûr ou pas Alors, euh, rien n'est sûr. Euh, moi, la manière dont je présente les choses, donc on, on essaye de, à la fois, euh, la CNIL est, en tout cas, accueillie favorablement. Les gens qui disent qu'elle pourrait avoir un rôle de coordination, donc notamment le rapport du Conseil d'État de l'année dernière qui disait voilà, donc ça c'était dans un monde où il y avait une autorité de coordination nationale qui est probablement un modèle de gouvernance qui va peut-être pas subsister. Euh, donc en tout cas la CNIL est pas du tout fermée à ça. Euh, euh, donc ça c'est un scénario, un scénario où on a une autorité de coordination et c'est la CNIL. C'est le scénario aux Pays-Bas. Donc aux Pays-Bas en fait la CNIL, il y a une petite équipe qui va autour de l'audit algorithmique entre guillemets qui, qui, qui s'adosse à la CNIL des Pays-Bas et qui va coordonner, enfin je sais pas qu'ils vont, vont coordonner une partie du, de, de la mise en œuvre de, de du règlement sans doute, et des autres obligations d'audit, enfin des autres obligations algorithmiques. En Espagne, ça va, je crois que ça va être plutôt une, autorité, une nouvelle autorité. Moi, ce que j'identifie, c'est qu'évidemment, tous les secteurs déjà beaucoup réglementés, le médicament, le contrôle aérien, euh, les, le, les, la finance, la finance c'est explicitement les, les régulateurs financiers qui sont désignés dans le règlement, donc, tous ces gens-là, en fait, il va y avoir la DGAC pour le contrôle aérien, la NSM pour le médicament, qui va devoir intégrer les dispositions du règlement IA. Pour la CNIL, il y aura bah, des aspects euh, sur la partie law enforcement, donc la partie euh, police-justice. Euh, le, le texte, enfin, tout ce qu'on comprend, il y a un compromis, ça désigne soit les autorités de protection des données, soit d'autres autorités, type contrôle de l'asile, etc. Mais donc, ça, il y a sans doute une possibilité où ce soit le cas, et c'est déjà en partie le cas euh, bah, sur, le, sur le règlement JO, par exemple. Enfin, sur le logio. Et après, il y a ce que j'appelle les sujets orphelins, euh, donc le, les RH. Donc le, Il n'y a pas d'autorité qui régule les traitements RH. Franchement, les traitements RH, il y a toujours des données personnelles. Donc on peut créer une autre autorité, mais, mais en tout cas, euh, il faudra vraiment faire un gros travail de coordination euh, si c'est le cas. Euh, si je prends un autre exemple, qui est le contrôle des examens, le, la délivrance de diplômes, etc. Voilà, on a sorti en septembre des lignes directrices sur les qu'est ce qu'on peut faire pour le contrôle des examens, c'est pas spécifique IA, mais c'est vrai qu'il y a des adhérences très fortes avec les futures exigences sans doute. Donc, donc voilà. Mais après, ce sera au gouvernement de le faire, et puis ça dépendra aussi de ce qui est au niveau européen, au niveau, au niveau national, euh, pour le décider. Merci. On a le temps pour une deuxième question. Je crois que j'avais vu une, une autre main levée. Merci. Delphine Sabatier, pardon, pour l'émission Smart Tech sur Bismart. Euh, vous, vous avez parlé de la recherche euh, scientifique qui pourrait du coup échapper euh, à certaines contraintes. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que les LLM, les grands modèles de langage de fondation euh, peuvent s'engouffrer dans cette brèche euh, Et l'autre question, c'est au sujet des plaintes que vous avez évoquées euh, en France. Aujourd'hui, le RGPD ne permet pas... De traiter ces plaintes vis-à-vis -vis de la manière dont les données personnelles ont été collectées par les grands modèles de langage. Alors, du coup, du coup, je, je... Euh, alors euh, sur la recherche, c'est des facilités, c'est pas une exemption d'application du RGPD. Il vous faut quand même une finalité, il vous faut quand même une durée de conservation, il vous faut quand même euh, informer les personnes. Vous avez, voilà, le, le, donc les, tous les les LLM ou tout, enfin, tous les gens qui développent des modèles peuvent effectivement sans doute s'appuyer sur, sur, sur les, les règles spécifiques de la recherche, euh, mais ça ne, les, ça ne les dédounera pas de toute, de toute responsabilité. C'est vraiment, euh, notamment nous, un des aspects qui, qui guide notre lecture, c'est la, enfin, la base légale de l'intérêt légitime. En gros, pour faire des LLM ou des grands systèmes IA, c'est pas possible d'avoir le consentement des personnes, ou, ou rarement, on va dire, c'est possible dans le domaine médical, mais mais pas, 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 pas dans beaucoup d'autres contextes. Donc, on va se baser sur l'intérêt légitime de l'entreprise ou de l'équipe de recherche à traiter les données. Et ça, ça doit être en regard de la, des droits et libertés des personnes. Donc, on fait une espèce de balance euh, entre les deux. Euh, et ce qu'on dit, c'est que pour la recherche, souvent, la balance est toujours souvent favorable, puisque c'est de la recherche, ça n'a pas d'effet. A priori, la recherche n'a pas d'effet direct sur les personnes, donc ça n'atteint pas les droits et libertés des personnes. Dans le cas des LLM et notamment des gens qui les fournissent, je pense que la grande question à laquelle on n'a pas répondu, c'est de dire quelle est la, la partie de leur activité qui relève de la recherche et la partie de leur activité qui relève de, du commerce c'est cette question à laquelle on n'a pas on n'a répondu. Et concernant les, les, les plaintes, donc en tout cas ils pourront s'appuyer là-dessus sans doute. On espère que les instituts de recherche et les start-up françaises aussi pourront s'appuyer là-dessus. Ça ne les il voilà, les exonérera pas de tout. Et, et sur la partie plaintes, aujourd'hui on reçoit des plaintes. En fait la, la gestion des plaintes en Europe sur le fondement du RGPD, c'est lié au, au, au comment l'entreprise est installée en Europe. Donc dans le cas d'OpenAI, il n'était pas installé quelque part en Europe en avril. Donc, euh, toute plainte, du coup, dans ces cas-là, tous les pays sont compétents. Donc, quand il y a reçu des plaintes en, en Italie, on a reçu des plaintes aussi. On était tous compétents. On a créé une task force au sein des, des CNIL européennes pour coordonner nos analyses. Euh, et puis, OpenAI il va probablement s'installer dans un des États membres de l'Union européenne. Et quand il est installé dans un des États membres de l'Union européenne, c'est cet État membre qui discute avec l'entreprise. Donc, c'est le cas par exemple de Google avec le, le, le régulateur irlandais. Euh, donc, on, du coup, dans ces cas-là, on est tout à fait légitime à recevoir les plaintes. Les Français s'adressent à l'autorité française, mais on va les transmettre à notre homologue irlandais dans beaucoup de cas.